Salut à tous, nouvelle édition de cet invité de la mi-temps. Aujourd'hui, c'est le tour de Johan Demont d'être à nos côtés. On le remercie d'ailleurs. Salut Johan. Salut. Alors Johan, invité de la mi-temps, pour prendre de tes nouvelles, toujours éducateur au Racing. Oui, voilà, tout à fait. J'entame ma troisième année en tant qu'éducateur au club. J'avance tout doucement, j'apprends le métier. Ma carrière footballistique m'aide un peu, mais ne suffit pas parce qu'on est de l'autre côté de la barrière, c'est quand même un autre métier. Et je m'éclate à ce niveau, c'est très bien. En plus, au Racing, j'ai beaucoup d'aide à mes côtés, j'ai des éducateurs expérimentés, ça se passe très bien. J'ai engrangé mes diplômes tout doucement, j'en passe et puis c'est. Franchement, je prends beaucoup de plaisir, c'est top. Le relationnel avec les jeunes, ça change. Bon, t'as fait une dizaine d'années en pro. Comment ça se passe avec les jeunes? Faut pas leur parler comme des pros, mais presque parce qu'ils espèrent le devenir. Ouais, y a toujours ce petit côté que je suis encore un peu joueur. Donc, j'arrive à pas mal m'exprimer avec les jeunes. Ça passe bien, le courant passe bien avec les jeunes. Donc, pour ça, tout ça va bien, mais... Voilà, on sait que moi j'ai quand même les U16, donc ils sont dans une phase où c'est quand même assez compliqué, c'est l'adolescence. Mais honnêtement, ça se passe bien dans la relationnelle, ça se passe vraiment bien avec les petits. Alors ça, c'est ton quotidien avec les U16, tu l'as dit, entraînement, puis match le week-end. Mais il y a aussi des matchs que toi tu fais, puisque tu joues encore avec les anciens, avec une belle bande de potes. Ouais, c'est vrai, nous on a cette chance au Racing d'avoir une paire de joueurs anciens, on appelle ça les anciens, et d'ailleurs on a une très bonne équipe. Hein. Ça fait pas bizarre justement de dire je suis un ancien aujourd'hui? C'est l'étiquette d'ancien, après moi je me sens pas ancien, mais bon, voilà, après... À certains âges, ouais, on est les anciens, on est même corpo, je pense. Ouais, ouais. Alors, j'ai certaines informations qui me disent le Yo Demont qu'on a connu, c'est encore un peu le même avec les anciens. Il court un petit peu partout. Il mange un peu beaucoup de ballons, mais il court beaucoup. Ouais, c'est vrai que, comme on dit, je graille pas mal le ballon. Je joue plus trop derrière avec les anciens, c'est vrai. Mais ça se passe bien. C'est surtout une grosse partie de plaisir. En plus, on a les structures, on en joue régulièrement dans le Dôme à la Gaillette. Donc, c'est parfait, même pour la période hivernale, c'est top. Et après, on fait beaucoup de matchs aussi pour de bonnes œuvres. Ça, c'est foot à 11. C'est avec grand plaisir que. En plus, on se retrouve souvent après le match. Donc, le petit resto qui va bien derrière. Ouais, un petit resto sympa. Honnêtement, c'est que du bonheur. Voilà. Merci en tous les cas, Johan, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Encore beaucoup de plaisir avec les anciens. Beaucoup de réussite avec les U16. Et nous, bien entendu, on se retrouve très bientôt pour un autre invité de la mi-temps.